Basquire, umwanya ni uwanyu. Hagati aho mwumvise yuko bari no gufata amajwi. Mais en fait, on va vous expliquer juste le chant qu'on va chanter en Kinyarwanda, qui nous dit que bientôt nous allons rentrer chez nous et qu'on nous attend là-bas. Donc, là, en gros, c'est vraiment ça. Et nous allons chanter ça en Kinyarwanda. Chale tu di ego ta Kuno banwiza wa machungu we Yesu bani bugu fichane Tuka wono watate ngini we Hakuja ibi chumi muhira Ni watu seiga nilva kujera Thank you.
Votre amen était un peu faible. Amen, hein? On reprend pour ce merveilleux chant. Amen. Moi, c'est quand ils font la trompette que j'aime beaucoup, la mélodie. Donc, nous n'avons fait que commencer. J'espère que vous aimez déjà ce que vous entendez. Sans plus tarder, nous invitons la chorale Agapé pour leur chant. Chorale Agapé, ne soyez pas timide. Chorale Agapé, mwigaragaza ko mudashabutse ahubwo ni mubanguke.
Murakoze cyane. Merci au groupe Agape. Korari Agape barakoze cyane. Le prochain que vous allez entendre indirimbo mugiye kumva ikurikiraho s'appelle Eric Lembe Bena. Umuntu tugiye kumva yitwa Eric andi mazina ntago nayumvise neza. Il nous vient de l'église Maranatha Franco-Africaine. Sa particularité est que lui il ne va pas chanter. Mais il va utiliser un instrument, le saxophone. Donc, prêtez oreille, il arrive. Reka tumutegere amatwi araje.
C'est compliqué ce que je vois. Bonjour. Vous allez accompagner une visite de Leonard Scott, Cohen, c'est un Montréalais. Il a chanté Alléluia, mais qui a été reprise par beaucoup de personnes. Donc, je chante une version et je vais accompagner avec la personne. Itorero rya Maranatha rirabasuhuza ndabaha intashyo zabo ngiye gucuranga indirimbo yaririmbwe n'umuntu wa hano Montréal ndumva yavuze ko yitwa Leonard ni indirimbo yitwa Haleluya yaririmbwe n'abantu benshi batandukanye tugiye kuyiririmbye ngiye kuyicuranga mu buryo bwayo bumwe yaririmbwemo murakoze Amour, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, car je t'aime.
Merci. Rakoze. J'ai toujours aimé les joueurs d'instruments parce que je ne sais pas jouer d'un instrument. Je trouve ça assez merveilleux d'avoir des doigts pour faire tout ça et un cerveau avec également. Nous allons à présent suivre un groupe. Ça va être une première parce que le groupe a été formé il y a à peine 2 ou 3 mois. Donc, ça va être leur première prestation. J'espère que nous allons être éblouis. Tugiye kumva itsinda ni itsinda rishyashya ni itsinda rimaze nk'amezi atatu rishinzwe n'ibyo tugiye gukurikira. J'invite le groupe de louanges. Ndahamagara cyangwa radika itsinda ryo guhimbaza Imana. Excusez-moi, avant que vous ne passiez, je vais également annoncer le prochain groupe qui va suivre. Ça va être le groupe de l'Est. Donc, juste après le groupe de louanges, le groupe de l'Est va enchaîner. Merci. Mumbabarire gato mbere yuko batangira, ndagira ngo ntangaze n'indi tsinda ritari kurikiraho, ni tsinda rya Montréal de l'Est, nibo bari bukurikireho. Bonsoir, chers frères et sœurs. Le chant que nous voudrons chanter est en anglais et le chant nous dit celui qui parle de paix. Et cette personne qui parle de paix, c'est Jésus. Et il y avait comme un vent, il y avait comme une tornade, quelque chose de cette sorte. Et soudainement, on entend quelque chose de paisible. La voix du Seigneur qui demande que la paix soit. Et en ce moment, la paix fut. Et Dieu est la personne qui parle de paix. Et quand il parle de paix, je suis réconforté parce que c'est cette voix qu'il me faut. Amen. Ndirimbo tujye kuririmba ni mu cyongereza. Iravuga ngo umutanzi w'amahoro. Mu gihe byari bikomeye, Imana yaravuze iti amahoro abeho. Such a lovely day, and the summer shining bright. A gentle breeze was blowing my way. Not a storm cloud inside. Sadly, without a warning, a storm surrounded my life. But even in the storm, I can feel the calm and hear the reason.
There's never been another man with the power of this fire. By simply saying peace, peace to you, he can come the strongest way. Groupe de l'Est. Itsinda ry'Iburasirazuba. On va chanter un chant qui dit que nous attendons un beau pays dans lequel nous serons. Et dans ce pays, celui qui dirige les voyageurs qui vont dans ce pays, c'est Jésus-Christ. Et nous vous exhortons d'être parmi ceux qui voyagent vers le ciel
où nous serons toujours avec notre Dieu qui nous attend là-bas. Merci. Amen. Merci à ces deux groupes qui sont passés et merci pour leur merveilleux chant. Les prochains qui vont passer vont être des solos. Nous avons la sœur Clémentine Mukarunkundo. Dufite umukobwa w'Imana Clémentine Mukarunkundo. Et elle sera suivie par le pasteur Billy Vagoli. Arakurikirwa na Pastor Watch Billy Vagoli. Clémentine, c'est à vous. Umwanya ni wawe Clémentine. Merci. Je vais chanter un chant en anglais. Et le titre est When No One Stands Alone, là où personne ne peut rester debout tout seul. C'est une chanson que j'aime beaucoup qui dit Seigneur, prends ma main. À chaque heure, à chaque jour, prends ma main et permets-moi de me tenir debout là où personne ne peut se tenir debout. Tu dis, à dire que tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps,
aho umuntu abadashobora guhagarara wenyine indirimbo ikubiyemo amagambo agira ati nyagasani ndagusaba ngo umfate ikiganza umfate ukuboko mu gihe ngeze hahandi umuntu abadashobora guhagarara wenyine mana ugikomeza ukuboko kwanjye Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness, as dark as could be.
This is the best time. La prochaine voix que nous allons suivre va être celle du pasteur Agoni, comme dit précédemment. Ijwi tugiye kumva mu mwanya ukurikiraho ni ijwi rya Pasteur Believe Agboli nkuko twabibabwiye mu kanya gashize. Et ensuite on va passer à la partie des témoignages. Nyuma ye turaza kujya mu gice cy'ubuhamya cyo gutanga ubuhamya. Nous avons de la place pour trois personnes. Turaza guha umwanya abantu batatu. Et nous avons déjà un nom inscrit sur la liste. Kandi dufite izina rimwe ry'umuntu wamaze kwiyandikisha. Donc, si d'autres personnes sont intéressées, notamment deux autres personnes, des courts témoignages de 3 minutes maximum. Nous allons le mettre à l'arrière pour que vous puissiez nous donner votre nom. Merci beaucoup. Le chant que je voudrais chanter nous dit que si Jésus était là, est-ce que je ferais ce que je suis en train de faire? Si Jésus était là, est-ce que je dirais ce que je suis en train de dire? Mais par la grâce de Dieu, je demanderai à Dieu de me donner la force pour pouvoir prêcher l'Évangile pour que lorsqu'il viendra, je sois prêt. Amen. Bese iyaba Yesu yari hano hamwe nanjye nakomeza kuvuga ibyo ndi kuvuga. Indirimbo rigakomeza itubwira ngo ndasaba Imana imbaraga kugira ngo imbashishe kuvuga ubutumwa bwayo aho mba ndi hose. Murakoze. Chose more heartedly if I could
He's always near me, though I do not see him there. And because he loves me dearly, I am in a watchful care. So I be Amen. On aurait dit une femme qui chantait si on fermait les yeux. Amen. Pasteur, vous êtes béni de Dieu. Vous avez plusieurs dons. Amen. Twari kuvuga ko ari umugore uri kuririmba iyo abatwari dufunza amaso tutamubonye. Pasteur, mufite umugisha, mufite impano nyinshi Imana yabahaye. Nous sommes à présent à la partie des témoignages comme annoncé plus tôt. Je vais inviter notre sœur Lucienne Diakité. Elle nous vient de l'église franco-africaine Maranatha. Lucienne Diakité. Donc, après son témoignage, nous allons être toujours ouverts. Nous n'avons toujours pas d'autres noms. Donc, si on n'a pas d'autres, on va poursuivre le programme naturellement. Mais sinon, sentez-vous à l'aise de témoigner pour ce que Dieu a fait pour vous durant cette année. Donc, sœur Lucienne, vous avez 3 minutes. Merci. Alors, bien-aimé en Christ, bonsoir. Bakundwa ba Kristo mwiriwe neza. Je voudrais dire merci à Dieu pour tous ces innombrables bienfaits dans ma vie. Ndashaka gushimira Imana kubw'ibyiza bitabarika yakoze mu bugingo bwanje. J'ai l'habitude de dire à nous chrétiens que nous voulons toujours attendre des gros miracles venant de Dieu. Mais le seul grand miracle qui nous opère dans notre vie chaque matin, c'est celui-là qui insuffle à nous ce souffle de vie. Si nous sommes là ce soir, n'est-ce pas sa grâce? Nous lui disons merci. Il y a bien des sœurs qui sont couchées dans les hôpitaux, d'autres qui sont déjà dans les morts. Nous sommes là, nous lui rendons grâce. Alors, mon témoignage, c'est que bon, j'ai eu trop, je peux dire comme ça, une succession de malheurs au courant de cette année. J'ai perdu mon époux. Un mois après, j'ai perdu mon frère. Et je pensais que le ciel est tombé sur ma tête parce que quand il y a la mort, on se dit toujours que c'est pour les autres. Mais quand ça ne t'a pas encore touché, tu ne peux pas sentir vraiment ce mal-là. Alors je pensais que vraiment moi et mes enfants on n'en pouvait plus, je me posais des questions, pourquoi jusqu'au jour où j'ai dit attends, ou tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas.
J'ai demandé à Dieu de me donner la paix. Et il m'a donné la paix. Je lui rends grâce. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Sœur Evelyne. Ah, excusez-moi. D'accord, oui. Sœur Evelyne, après, tu viens, puis par la suite, ça va être notre sœur. Donc, sœur Evelyne, elle nous vient de, également de l'église Maranatha franco-africain. Donc, c'est à toi. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis contente d'être avec vous ce soir. J'ai pas mal de raisons de témoigner pour mon Seigneur. Je suis à Montréal plus de, ça fait bientôt 20 ans. Maze hafi vuba hando z'imyaka 20 muri Montréal. Mais depuis 2013 je vis avec mes deux garçons et mon mari est en Haïti. Nyamara kuva muri 2013 mbana n'abahungu banje babiri umugabo wanje ari muri Haïti. Et chaque jour si je vis par la grâce de mon Dieu. Kandi buri munsi mbeshwaho n'ubuntu bw'Imana. En 2021, j'ai eu une douleur d'une nerf sciatique parce que j'ai eu un accident, ça fait longtemps, et j'ai une hernie discale. Muri 2021, nagize ikibazo cy'uburibwe butewe n'umwakura sciatique. Icyo gihe rero nkibuka yuko hashize igihe kinini narakoze accident. Et j'ai eu vraiment mal. Narababaraga cyane. J'ai passé presque un an, je ne pouvais pas travailler à cause de cette douleur. Par la grâce de Dieu, maintenant, je fonctionne bien. C'est non parce que je n'ai pas eu d'inconfort. À cause du nerf qui est coincé, j'ai des crampes souvent. Kubera uwo mwakura uterwa nuko mfite ikibazo mu ngoro z'umugongo akenshi njya ngira utuntu tw'uburibwe. J'ai vu mon médecin, j'ai passé un IRM et j'ai trouvé un spécialiste en nerfs, neurologue. Pour que je puisse faire quelque chose. Nabashije kureba umuganga wanje ndetse mbonana kugira ngo nkore ikizamini cyo kundeberamo imbere ndetse mbonana n'umuganga ushinzwe ibijyanye n'imyakura kugira ngo menye icyo nakora. Mais avec ma femme et je prie pour que je fasse le travail avant même que le médecin puisse dire quelque chose. Ndatekereza yuko nizeye Imana yuko izagira ikinkorera mbere yuko ndetse uwo muganga nzabonana nawe agira icyo akora ku buzima bwanjye. Parce que je sais que c'est une intervention vraiment spéciale. Je peux terminer soit sur une chaise roulante et je dis que si Dieu veut, il peut, parce qu'il a fait tellement de choses déjà dans ma vie, il peut le faire. Nzi ko ibyo bazankorera bitoroshye ni ibintu bashobora kumbaga ndetse nkarangiriza mu kagare ariko nzi yuko kubw'Imana byose bishobora kuzagenda neza. J'ai rendu ce témoignage parce que parfois les jeunes vous n'expérimentez pas ce Dieu, vous pensez que c'est le hasard puisqu'il y a d'autres personnes qui étaient malades qui peuvent guérir, mais nous autres nous savons que chaque pas que nous faisons c'est par la grâce de Dieu. Nanzu ubuhamya kugira ngo
ngumbishe n'abasore akenshi dutekereza yuko ibiba ari ibintu bisanzwe ndetse kurwara ari kimwe nuko n'undi yarwara gakira ari ibintu bibaho ariko mu byukuri byose ni intambwe dutera n'Imana ibidushoboza. Amen. Et le fait que je suis là avec mes deux garçons ainsi que l'ami de mon premier garçon, et c'est une grâce pour moi et je rends grâce à mon Dieu. Kubandi hano ndi kumwe n'abahungu banje babiri ndetse n'undi muntu akaba ari shiti y'umuhungu wanje umwe biranejeje cyane kandi ndabishimira Imana. Merci. Murakoze cyane. Amen. Je vais inviter notre sœur Rose, maman Vicky, pour son témoignage. Lekandarike Rosa, maman Vicky, azenawe atangu buhamya bwe. Maranatha. 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 Amen. Jewe ndashimira Imana cyane ko je remercie Dieu parce que nous avons été capables de nous réunir ici à cette journée qui finit cette année-ci. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance d'arriver dans ce jour-ci où nous sommes. Kandi hari na benshi ubu bibereye mu bindi byo hanze banezerwa ko Imana ibagejeje muri uyu munsi wa nyuma w'umwaka. Et il y en a d'autres qui sont dehors à l'extérieur de l'église et faisant d'autres choses, remerciant dans leur manière Dieu qui les a fait arriver à cette fin de l'année. Urya n'ukuri ngo iyo bukeye tuba turambye. Quand une nouvelle journée s'annonce, c'est que Dieu nous donne grâce de prolonger notre vie. Uburyo bukeye umuntu akabyuka akabona ahagaze ku maguru ye yombi. Quand tu te réveilles le matin et tu es capable de te tenir debout sur tes deux jambes, n'ukuri tujya dushimira Imana. Il faut que nous remercions Dieu pour cela. Maze iminsi ine, depuis le 26 décembre, ubwo twaravugaga tuti hari abana bacu bari bagiye mu bandi babyeyi bagiye kugira ngo bahure nabo nyuma y'umwaka urabona ni muri bihe bya holiday. Nous étions en train de parler dans notre famille parce qu'il y avait nos enfants qui s'étaient déplacés vers leurs autres parents parce que c'est le moment des vacances là où il y a des fêtes dans ces moments-ci. Ariko tunashimira Imana ko hari n'abandi bana nabo bari baje batugezeho bavuye Kalgari tunezerewe turindiriye n'abandi ko baza bavuye Hamilton kugira ngo dukomeze dushimire hamwe Imana. Nous étions très contents parce que nous avions ce jour-là reçu nos enfants qui venaient de Calgary et les autres qui venaient de Hamilton qui étaient parmi nous et nous étions très contents remerciant Dieu. Ariko byageze nka saa 11 za mu gitondo n'igice. Mais c'était ce jour-là vers 5h30 du matin. Umwana wanjye umwe uri kwa Jacobo yandika message kuri groupe yacu ya famille ya Samuel. L'une ou l'un de mes enfants a écrit un message sur le groupe en écrivant un message. Arandika ngo Mama Sonia passed away. Et le message était que Mama Sonia était décédée. Narabyutse mfata telefone mbona ko uyu mwana wanjye abesha saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo abantu barasinziriye uyu muntu apfuye gute. Et je me disais cet enfant est en train de mentir, il est 5 heures du matin, les gens dorment, comment cette personne peut décéder? Uwo mu mama witwa Mama Sonia. La maman là qu'on appelait Mama Sonia aba muri Malawi, habitait en Malawi. Uwo mudamu mwiza cyane ndetse yanamugereranya nka Dorcas wo muri Bibiliya. C'était une très bonne femme que je peux comparer à Dorcas de la Bible. Umugabo we n'umudokteri
Son époux est médecin. Omudamu nawe ni konhabe yakoraga ku bitaro by'abagaturika. Et cette dame-là était comptable et travaillait dans un hôpital catholique, de l'Église catholique. Ariko uwo mudamu ubwo nokuvuga ngo ku isabato ntabwo yagombaga gukora yari kontabure niwe wahembaga abakozi. Et cette dame-là ne devait pas travailler le jour du sabbat parce que c'est elle qui payait les salaires des employés de son établissement. Uwo mudamu yari umudamu ufite ibikorwa mu itorero mu buryo nararebaga akavuga nti uyu mudamu ntabwo yavutse ari umudivantiste. C'était une dame qui avait vraiment des œuvres remarquables dans l'église alors que elle n'était pas née étant dans une famille membre de l'église adventiste. Ukunore yaje kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi harimo muri 1995 we yaravuze ati yewe nabukiye mu itorero ry'abaprotestanti aho iwacu basengaga cyane. Et elle a dit qu'elle était devenue adventiste dans les années 95. Et là, elle disait qu'elle était dans une famille protestante qui aimait vraiment prier. Ubwo mudamu yari ikigari umugabo we bari baramufunze ariko aza kumva ijwi rimubwira ngo ugomba kumenya ukuri nyakuri. Elle était à Kigali quand elle a entendu une voix qui lui disait « Tu dois connaître la vraie vérité. » Et elle m'a donné ce témoignage me disant comment elle est devenue adventiste et elle a entendu cette même voix qui lui disait il faut chercher une église véritable. Elle a fait des tours dans les églises de Kigali. Et un jour, elle est arrivée à l'église adventiste du 7e jour de Nyamirambo à Kigali. Le premier sabbat, elle est entrée dans l'église adventiste de Nyamirambo. Elle ne connaissait personne. Elle n'avait jamais entendu l'évangile prêché par l'église adventiste. Et quand elle est entrée dans l'église adventiste du 7e jour, elle y est entrée pour de bon. Icyonzi nange namenye muri Malawi kandi mumenya ko mugabo we ni w'abanyarwanda benshi bajyaga kwivuzaho natwe nange baramvuraga kera n'indwara za malaria. Je peux pas raconter son histoire, elle a terminé, mais c'était chez son mari que presque tous les Rwandais qui étaient en Malawi allaient se faire soigner. Ubwo rero ikintu cyambabaje nuko yapfuye atanarwaye. Ce qui m'a vraiment frappé ou bien touché au cœur, c'est qu'elle est décédée sans avoir été reconnue, sans avoir été reconnue malade. Elle a accompagné son mari le matin et après que son mari était sorti de leur parcelle, elle est rentrée et a demandé à celui qui les sert à la maison de lui préparer du thé. Elle est rentrée dans sa chambre et c'en était fait. Mes chers amis, si nous voyons une journée qui s'annonce et la fin de la journée qui s'annonce aussi, je vous demande de prier pour nous parce que c'était mon ami intime. Et confions-nous dans les mains de l'Éternel que ce ne soit pas notre dernier jour.
Et prions aussi pour cette famille qui est dans les moments d'épreuve, de chagrin, parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille qui n'était pas du tout malade. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes ces dames pour leur témoignage et que le nom de Dieu soit élevé plus haut. Ceci termine la période des témoignages. Nous repassons au chant maintenant. Je vais inviter la famille de Marthe Mukeshimana pour leur chant et ça sera suivi par Clémentine Mokarondo et Samson Samuel Aguinimana. Tugiye kuririmbirwa n'umuryango wa Simon Sabiyaremye ukaba C'est Samson Samuel qui commence d'abord. C'est la famille de Marthe Mukeshimana. N'umuryango wa Marita Mukeshimana uri bubanze. Et par la suite, ça va être Clémentine Mokarondo et Samson Samuel Aguinimana. Hakurikireho Clémentine Mukarukundo na Samson na Samuel Aguinimana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Que notre Dieu soit loué. Gushima kwacu gukubiye mu ndirimbo ishyira hejuru Yesu Kristo. Notre remerciement envers Dieu est dans les chants que nous allons chanter pour élever son nom. Ninde wadupfiriye ni Yesu. Qui est mort pour nous, c'est Jésus. Ninde waducunguye ni Yesu. Qui nous a sauvés, c'est Jésus. Ayo magambo arakunda kugaruka cyane muri iyo ndirimbo. Et ces mots vont revenir souvent dans les chants que nous allons interpréter. Igice cya mbere indirimbo igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere kitubwira igihe cyo gufatwa k'umwami wacu Yesu. Le premier couplet va nous parler de comment Jésus a été saisi par ceux qui allaient le meurtrier. Igice cya kabiri kiratubwira igihe Yesu yabambwaga. Le deuxième parler de la crucifixion de notre Seigneur. Igice cya gatatu kiratubwira igihe cyo kuzuka kwa Yesu. Et le dernier couplet va nous parler de sa résurrection. Ikinejeje muri byose nuko marayika yamanutse mu ijuru. Ce qui nous rend plus content, c'est qu'un ange est descendu du ciel. Akuraho igitare. Il a roulé la pierre. Maze abadayimoni barirukanka. Et les démons se sont enfuis. Satan a courgué ni sonni. Et Satan a eu honte de ce qui s'est passé. Et nous devons être sauvés de cette manière. Agakizimana yadusezeraniye kaba kageze ku musozo. Et c'est ainsi que la rédemption que Dieu nous avait promise a été mise en œuvre. Na kubyuma bitinze gatoya
muziki ntabwo urimo kuza bigutinda reka turirimbe vocal Vous êtes toujours là? Oui. Vous attendez la suite avec impatience, n'est-ce pas? Combien de personnes apprécient déjà ce qu'ils ont suivi jusqu'à présent? Ah, je vois que c'est tout le monde. C'est bien. Nous vous demandons encore quelques secondes pour que le problème technique soit réglé, pour que la famille... Mokeshimana puisse faire son chant. Quatrième vocal. Kunda jawa e na odi
Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, nous allons chanter un chant, encore une fois en anglais. Et il dit « A hungry heart ». Je viens avec un cœur qui a faim à la table de mon roi. C'est là que mon âme est satisfaite avec tous les bienfaits qu'il pourvoit. Et tout ce dont j'ai besoin, je l'ai là par la foi. La table est mise avec miséricorde et par la grâce. Alors, je viens avec un cœur qui a faim à la table de mon roi. Like a deer that pants for water,
I am thirsty for you, Lord, and in my heart there is a longing. I still believe there's more. So open up the heavens and let your spirit fall again. Wash me in your presence. Refresh my life again. Que disons-nous encore? Merci pour cette belle voix. Maintenant, nous allons retourner dans les chansons avec les groupes. Et j'invite Mass Choir pour deux prestations.
Tu kana tu rafi
Donc, pour ceux qui ne parlent pas le Kinyarwanda, le chant tout simplement disait « Le Seigneur chuchote, il frappe à la porte et il cherche à devenir votre meilleur ami. » Le chant qui va suivre s'intitule aussi « Bougie Kuira », tout simplement, il va faire tard et on se prépare à rentrer chez nous. Come on, 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 come on
Amen. Sans plus tarder, je vais inviter le groupe Agapé pour leur second chant et ça sera suivi par la suite du groupe de louanges. Natinze ndagira ngo mpamagare korale Agapé baze baririmba indirimbo yabo ya kabiri nyuma yabo barakurikirwa na groupe de louanges. Donc, nous allons chanter une chanson Kinyarwanda qui exprime à quel point Dieu est toujours présent pour nous quand nous avons des troubles.
Alléluia. Alléluia. Le chant que nous allons interpréter est en Kinyarwanda. Alors, un petit résumé du contenu. C'est dit, Seigneur, comment puis-je te remercier assez pour tout ce que tu fais pour moi? Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude envers toi. Tu me connais mieux que quiconque. Tu me viens en aide quand je suis en difficulté. Tu prends soin de moi. Je te serai toujours reconnaissant jusqu'à ce que je perde ma voix ou jusqu'à mon dernier souffle. Soyez bénis. Amen. Mami ngushimira
Est-ce que vous vous souvenez qu'au début, je vous ai dit que vous entendrez des voix extraordinaires? Ese muri bukako dutangiye nabwiye ko muri kumva cyangwa muri bwumve amajwi adasanzwe. Est-ce que vous avez entendu des voix extraordinaires? Ese mwaba mwumvise amajwi adasanzwe? On dirait pas, j'entends quelques amen. Bon, apparemment, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était bof. On va reprendre. Est-ce que vous avez entendu des voix extraordinaires? Parfait, on poursuit. Je vais inviter Sœur Lucienne, suivie de Sœur Marthe et sa famille. Et par la suite, ça va être le pasteur pour leur chant. Sœur Lucienne. Lucienne, nous disons que tu as dit que tu es là. Umuryango wa Marita hanyuma pasteur akurikireho. Alors, je vais interpréter un chant de Jim Reeves, version française. Ngiye kuririmba indirimbo ya Jim Reeves iri mu kinya mu gifaransa. Qui dit ceci? J'aime mieux avoir Christ que de l'or fabuleux. Nkunda Kristo kurenza ayandi mazina atangaje. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qui me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fallait, mais le cœur des airs sans lui. J'aime mieux avoir Christ que le aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que là le plus grand. J'aime mieux dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de fallait, mais le cœur des airs sans lui. J'aime mieux avoir Christ que le monde offre aujourd'hui. Mon Jésus plus grand que le lit royal, bien plus doux qu'un rayon, le soleil matinal, il réchauffe mon cœur et le seul. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi vêtu de fallait, mais le cœur des airs sans lui. J'aime mieux avoir Christ que Oh,
Merci pour ce chant qui nous rappelle d'avoir Christ que tout ce qui a sur cette terre. Murakoze cyane kubwira indirimbo nziza itubwira kugira Kristo kurusha ibindi bintu byose byo kwisi. Il y aura un petit changement dans le programme. Habayeho impinduka ntoya kuri gahunda. Nous allons inviter directement Pasteur Billy pour son chant. Tugiye gukurikizaho indirimbo ya Pasteur Billy abariyo ijyaho muri uyu mwanya. Rebonsoir, chers frères et sœurs. Est-ce que le concert se passe bien comme vous voulez? Est-ce qu'on est béni ce soir? Gloire à Dieu. Le chant que je veux chanter nous dit que parce qu'il vit et parce qu'il est sorti du tombeau, j'ai cette assurance de mon salut. Et je trouve de la force contre le malin pour les tentations qu'il envoie envers moi. Et parce que Jésus vit, je peux endurer les peines de cette vie parce que je sais qu'il va faire disparaître toute peine dans mon cœur. Kandi kuko Kristo ariho mfite ibyiringiro ko nshobora guhangana n'ibimbabaza byo muri iyi si kuko Kristo azabinkiza rwose. Amen. Because he lives, because he rose in mighty triumph from the grave, I put my trust in him and seek to follow him in faith. Because he lives, because he lives, I shall find strength to stand against the tempest's power. He is my refuge and defense in every trouble out. Because he lives, because he lives, I can bear whatever burden may be mine. I am unshackled in the arms of love divine. Because he lives, because he lives, he will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in him. For in his hand is healing for the weary soul. This I know. Because he lives. Because he lives, my heart is filled with peace amid the world of fear, and through the blindness of the night in him I rest secure. Because he lives, because he lives, there is no task so great that I cannot endure. I bear no heartache that his tender mercy cannot cure. Because he lives, because he lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in his arms of love divine. Because he lives,
because he lives, he will banish every shadow of my pain. Every swallow will be swallowed up in him. For in his hand is healing for the weary soul. This I know, because he lives. Because he lives, I will feel no darkness. Because he lives, I will ask the night. Because he lives, I will praise his kindness. Because he lives, ocean every bright. Because he lives, I will seek his righteousness. Because he lives, I'll follow where he lives. Because he lives, I shall conquer even death, and I shall live because he lives. Because he lives, I will rejoice in Christ and glorify his name. And with the willing voice of gratitude proclaim, my Savior lives, because he lives. He will banish every shadow of my pain. Every sorrow be swallowed up in him. For in his hand is healing for the weary soul. This I know, this I know, because he Amen. Je suis sûre que vous vous en doutez. Vous ne partirez pas sans une exhortation, n'est-ce pas? Donc, nous allons laisser la place à Pasteur Billy pour une courte exhortation. Puis, il y aura d'autres chants par la suite et nous terminerons. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bene data muri Kristo mwiriweho. En temps normal, nous sommes dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Twamaze kwinjira mu mwaka mushya siko bimeze. La Bible nous dit il fut un soir, il y a un matin. Kuko bibiliya tubwira ngo buragoroba buracya. Et ce fut un jour. Ubu munsi. Alors bonne année à chacun de nous. Umwaka mushya muhire kuri buri wese uri hano. C'est un plaisir pour chacun de nous d'être là ce soir. N'umunezero kuri buri wese uri hano. Et avant de partir, j'aimerais laisser chacun de nous avec quelques versets. Le premier verset se trouve dans 1 Timothée 1, le verset 17. 1 Timothée 1, le verset 17. Et la parole de Dieu ici donne gloire à Dieu en disant au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Umwami nyiribihe byose udapfa kandi utaboneka ari we mana imwe yonyine ihimbazwe kandi cyubahiro kibicyayo iteka ryose. Amen. Chers frères et sœurs, avant de commencer toute chose, nous devons donner gloire au Seigneur. Bene data nabashiki banje mbere yuko tujya mbere ndagira ngo mbabwire ko mu bihe byose tugomba guha icyubahiro Imana. Et en cette année qui débute, si nous devons dire quelque chose,
c'est que l'honneur et la gloire soient donnés au Seigneur au siècle des siècles. Kandi muri uyu mwaka utangiye niba hari cyo dukwiye kuvuga dukwiye kuvuga tuti icyubahiro no gushimwa by'Imana yacu. Galates 2 le verset 20 nous dit ce qui suit. Abagalati igice cya kabiri umurongo. J'ai été crucifié avec Christ. Nabambanwe na Kristo. Et si je vis, kandi niba ndiho, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers frères et sœurs, en cette nouvelle année, nous devions dire que nous ne vivions pas de nous-mêmes, mais nous vivons en Christ. Et si nous vivons en Christ, notre manière de réagir en cette nouvelle année, notre manière de nous comporter, de parler les uns les autres, l'amour que nous devons montrer aux uns les autres doit prouver que Christ vit en nous. Kandi niba koko Kristo ari muri twe uburyo tuzabaho muri uyu mwaka uburyo tuzabana n'abandi n'uburyo tuzitwara bigomba koko guhamya ko Kristo ari muri twe. Nous souhaitons souvent meilleurs vœux, beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants et tout ce qu'on peut citer. Dukunda kubwira abandi ngo tubifurije umwaka mushya muhire muzawugiriremo ubuzima bwiza muzawugubwemo neza tukabaha ibyifuzo byinshi cyane. Mais si j'ai quelque chose à vous souhaiter, c'est que Christ vit en vous. Ariko niba hari cyo nshaka kubifuriza muri uyu mugoroba nuko Kristo abaho muri mwe. Isaïe 43 verset 18 à 19 nous dit ce qui suit. Muri Yesaya cyo cya 48 murongo wa 8 kugeza wa 10 niba numvise neza. Ne pensez plus aux événements passés. Ntitugatekereze ku byatambutse. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Kandi ntitukite ku byamaze gushira mu minsi yashize. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Kuko ngiye gukora ikintu gishya muri mwe. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Kandi ikintu gishya kiri hafi kubageraho. Ne la connaîtrez-vous pas? Se ntabwo mubizi? Je mettrai un chemin dans le désert. Nzaharura inzira mu butayu. Et des fleuves dans la solitude. Kandi hazaba inzuzi aho umuntu yiyumvaga nkaho ari wenyine. Nous avons écouté des témoignages, nous avons perdu des êtres chers, nous avons eu des difficultés, nous regrettons certaines choses dans nos vies. Twamaze kumva ubuhamya butubwira abantu bamwe batakaje abo bakundaga, abandi bafite ibyababayeho batishimiye mu buzima. Mais Dieu veut que nous puissions laisser toutes ces choses derrière nous. Ariko Imana iratwifuzaho yuko ibyo byose tubisiga inyuma yacu. Est-ce qu'il y a des tentations? Est-ce qu'il y a des choses difficiles que vous vous posez la question si je vais continuer ici dans la nouvelle année? Mbese hari ibishuko cyangwa ibindi byakabaje waba warahuye nabyo mu minsi yose ukaba wibaza niba uzakomezanya nabyo mu mwaka mushya? Mais Dieu veut que nous puissions laisser ces choses dans le passé. Imana irifuza ko ibyo byose tubisiga inyuma. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Imana igiye gukora ikintu gishya mu mibereho yacu. Et il nous pose la question, est-ce que nous ne le savons pas? Aratubaza Imana iratubaza iti mbese ibyo ntabwo mubizi? Ou cela semble difficile pour nous, Dieu peut créer un chemin dans le désert. Cyangwa biradukomereye kwiyumvisha yuko Imana yaharura inzira mu butayu. Un proverbe que j'aime beaucoup, le proverbe 3. Mu migani nkunda cyane igice cya gatatu cy'imigani. En m'attardant sur le verset 6. La Bible nous dit ngatinda cyane ku murongo wa gatandatu w'icyo gice de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Aho dusabwa kubona Imana mu nzira zacu zose. Et il va aplanir nos sentiers. Kandi azatunganya inzira zacu tunyuramo. Dans tout ce que je fais, Dieu doit faire partie. Mu byo nkora byose Imana igomba kuba iri kumwe nanjye. Quand je me lève, quand je me couche, quand je travaille, quand j'écoute la musique, tout ce que vous pouvez faire, naba mbyutse, naba ndyamye, naba ngenda, naba nkora, mu byo nshobora kuba nakora byose, reconnaissons Dieu dans nos voies. Ephésiens 2, le verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, si Dieu nous permet d'avoir grâce, de trouver grâce à ses yeux, niba rero Imana yemera ko tugirirwa ubuntu mu maso hayo,
Si dans notre vie spirituelle, nous sentons un changement et que des choses sont en train d'aller mieux, nous devons comprendre que c'est la grâce de Dieu. Michée 6, verset 8 nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons écouté beaucoup de sermons, 52 sabbats, 52 sermons. On a assez entendu de bonnes choses et des choses que nous devons faire. Et le Seigneur nous dit, vous savez ce que vous devez faire. Pratiquez le bien en cette année 2023. Soyez des hommes plus intègres, plus honnêtes qu'avant. Soyez des personnes qui aiment leur prochain de tout leur cœur. Et ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même aux autres. Nous connaissons ce qui est bien. Mais ne permettons pas au malin, ne permettons pas à l'orgueil de pouvoir continuer à nous mener dans cette voie que nous menons. Parce que Dieu a un plan pour nous. Vous savez, l'humilité, c'est une vertu qui nous manque à tous. Nous sommes humbles tous, mais à certains niveaux. Chacun de nous possède en lui l'orgueil. Et chaque jour que nous vivons, nous devons demander à Dieu d'augmenter l'humilité et de diminuer en nous l'orgueil. En Thessaloniciens 5, verset 16 à 18 nous dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vous souhaite en cette année de voir des chrétiens joyeux. Et votre joie ne vient pas aussi du matériel que vous avez acheté. Votre joie ne doit pas venir de la réussite de vos enfants. Votre joie ne doit pas venir de la maison que vous avez achetée, de tout ce que vous pouvez posséder. Parce que même si le monde s'écoule autour de nous, nous devons être joyeux. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 8 nous dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En cette année 2023, n'ayons pas des idées obscures, des idées sombres quand nous sommes en train de sourire à certaines personnes. Demandons à Dieu d'enlever en nous l'hypocrisie. Que nos paroles, que nos actions reflètent exactement ce que nous pensons. Que Dieu nous aide à éviter de nous méfier les uns des autres. Que tout ce qui sort de nos bouches soit pour la gloire de Dieu.
Chers frères et sœurs, avant de finir, j'aimerais finir avec ces deux versets. Matthieu 6, verset 33 à 34. Aujourd'hui, nous écoutons toujours dire on est pressé, on n'a pas le temps, on a beaucoup de choses à faire. Des fois, nous oublions que la personne qui nous a donné la force pour nous lever et faire les activités, c'est Dieu. Et on a beaucoup d'excuses. Que cette année, nous soyons plus impliqués dans les activités de l'Église. Et si vous le faites, vous ne le faites pas pour le pasteur, vous ne le faites pas pour qui que ce soit, vous le faites pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous nous inquiétons beaucoup, chers frères et sœurs. Des fois, nous ne sommes même pas avec Dieu. Parce que nous nous inquiétons du lendemain. Et nous oublions que Dieu tient le monde dans ses mains. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Pourquoi se lever tôt le matin et se coucher tard? Pendant que Dieu peut nous donner ce dont nous avons besoin dans notre sommeil. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana. Jérémie 29, verset 11. Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour vous. Imana idufitiye ivuga ko tufitiye imigambi y'amahoro atari imigambi. Quels sont vos projets, chers frères et sœurs? Imigambi yawe ni iyihe cyangwa imishinga yawe? Cette année 2023, vous projetez accomplir des choses sûrement. Est-ce que vous avez consulté Dieu? Est-ce que vous avez demandé à Dieu si ces projets sont acceptés de lui? Dieu nous demande de lui faire confiance. Les projets sont déjà là pour vous. Pourquoi laisser les projets de Dieu et commencer à entamer d'autres projets par nous-mêmes? Dieu dit que ces projets sont là pour nous donner de l'avenir. Et de l'espérance. Si seulement nous pouvons d'une manière ou d'une autre, tirer quelque chose de ces versets. Je peux vous assurer que Dieu sera avec nous. Et je prends la décision personnellement de faire de ces versets des versets personnels. Il y aura des défis, ça ne manque pas. Il y a des familles ici qui auront des problèmes difficiles. Peut-être ça sera l'éducation de vos enfants. Peut-être ce sera des problèmes internes. Peut-être c'est des problèmes de santé. Peut-être c'est des problèmes de nous projeter dans l'avenir. Mais je suis confiant ce soir et je vous donne l'assurance que Dieu est avec nous. Alors soyons joyeux pour cette nouvelle année. Non pas parce que tout sera rose sur notre chemin.
Parce que à chaque pas que nous allons faire, Dieu sera avec nous. Alors que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les problèmes financiers, que ce soit dans les problèmes d'éducation, toutes sortes, Dieu sera avec nous. Et personnellement, j'ai décidé de faire quelque chose. Autant que cela dépend de moi, je serai en paix avec chacun de vous. Et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec moi. Bonne année à chacun de nous. Merci pour cette exhortation. Est-ce que vous savez qu'on a une chorale ici? Pasteur, la cause est chiane, kubga magambo meza. Mbese musiko hano hari ndi chorale. Est-ce que vous le savez? Musiko hano haba chorale. Non, probablement pas. Mushobora kuba mutabizi. On va vous montrer qu'on a une chorale ici. Tugiye kubereka ko hano dufite chorale. J'invite alors la chorale, la grande chorale. Ndahamagarira chorale ya indi nini chiane. Je vois qu'il me voit avec des yeux ronds, mais vous faites partie de la chorale. Donc avancez-vous pour qu'on puisse chanter notre chant, s'il vous plaît. Nijire hino ya chorale ni cyane turirimba indirimbo yacu. Allez, venez, ne faites pas les timides, venez, venez. Nimuze, nimuze, mushabukire kuza, mubanguke. Alors, la chanson que bon, on veut chanter, c'est du cantique 603, Seigneur, que n'ai-je mille voix. Donc, ceux qui connaissent, vous pouvez vous joindre à nous pour pouvoir chanter ce dernier chant, Seigneur, que n'ai-je mille voix. C'est la dernière chanson. Pour ceux qui veulent partir, attendez tout juste quelques instants. Thank you.
Là, on vous a montré qu'on avait une chorale, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un chant que vous souhaiteriez réécouter depuis le début jusqu'à maintenant? Ok. C'est quel groupe? Mass Choir. Mass Choir. Vous avez volé la vedette apparemment. Donc, il y a un chant que vous allez reprendre. Arongorera. Voilà. Iyo ndirimbo yitwa Arongorera niyo Mass Choir. Abandi barashaka agape. Donc, ça va faire deux reprises au lieu d'une. Donc, vous êtes d'accord pour qu'on attende encore? C'est bon? Deux reprises, d'accord. Quelle chanson d'Agapé? Le deuxième. Donc, on invite Mass Choir pour la reprise et après, ça va être Agapé pour leur reprise aussi. Turasaba Mass Choir, izisubiremo iyo ndirimbo basabwe, noneho na Agapé irakurikiraho iririmbe iyo basabwe. Mass Choir? Et c'est quel chant? Ashaka kwinjira
baraba ko wa muru mukene cyangwa se ko wa muru mutuzi ariko afise umugambi wo kwinjiri wawe arongorera Sanze wese amubera inshuti nziza arongorera umwami arongorera arahamagara uwo Yesu arahamagara arinjira umwami arinjira kugira ngo umusanze wese amubera inshuti nziza
Amen. Amen. Qui voudrait qu'on continue le programme? Nindo shaka ko dukomeza gahunda. Ah, c'est seulement ce côté qui veut. Vous tous, vous êtes fatigués, vous voulez rentrer chez vous. Bon, ben, on va finir. Angèle et moi, on voudrait vous remercier d'avoir été un public si adorable. Tania Nange, tu n'es jamais venu comme un chimera, comme un banyena, que quand tu m'as dit tu recourais toi. Vous avez été très réactif. Mngawa yaba, nous mugara gazayu comme nezerewe. Et très attentionné. Merci beaucoup. Kandi mubjita eho, mukuri chira mubjita eho. Le comité d'organisation également de ce concert souhaite vous remercier pour votre présence. Kandi nina mayateguye chijitaramo irabashimira komwe tabiri chijitaramo. Nous remercions également les techniciens. Turashimira abantu babaye ku buhanga bw'ibyuma. Les différents choristes, les soloistes aussi. Abaririmbyi bo mu makorali atandukanye ndetse n'abaririmbye ku giti cyabo batandukanye. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis de bien manger ce midi. Turashimira abantu bose badufashije gutunganya ibya saa sita. Et merci à nos chers invités sans qui ce programme n'aurait pas pu avoir lieu. Kandi turashimira abatumirwa bacu kuko iyo bataboneka ntabwo gahunda bayagenze neza. Nous ne pourrons pas oublier de remercier notre Dieu qui est dans les cieux. Ntabwo twakwibagirwa gushimira Imana yacu iri mu ijuru. Qui nous a permis d'avoir ce programme. Kuko ariyo yatubashije kugira iyi gahunda muri uyu mwanya. Je vais inviter Pasteur Azakaria. Ngiye kurarika Pasteur Azakaria. Pour la prière finale. Merci. Babandimwe, Imana Ishimwe. Chers frères et sœurs, que le nom de Dieu soit sanctifié. Umwaka mushie mushire. Bonne année à vous tous. Wamata Nubuki. Que ça vous soit une année pleine du miel et du lait, comme on le dit à Kinyarwanda. Je fais une traduction littérale là. Murakoze nanone kubw'indirimbo nziza. Merci encore à cause de vos chants spéciaux qui sont mélodieux et magnifiques. Pasteur Believe, murakoze cyane kubw'ikibwirizwa cyiza. Pasteur Believe Agboli, merci beaucoup à cause de votre prédication précieuse. Kadusenge. Prions. Merci Seigneur notre Dieu pour la joie que tu nous as permis de partager ce soir. Merci pour les beaux chants que tes enfants ont chantés. Nous les avons exécutés pour ta gloire. Accepte notre adoration Seigneur. Nous te remercions pour ce sabbat que tu nous as permis de passer en bien. Nous te remercions aussi pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Seigneur, que cette nouvelle année nous apporte joie, paix, santé et bonheur avec toi. Bénis chacun de nous ici présents. Bénis nos familles respectives. Et maintenant que nous allons quitter ce lieu, que ta grâce et ta paix reposent sur chacun de nous. Et reçois, ô notre Dieu, nos louanges, nos remerciements. Reçois la gloire et l'honneur qui te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Icyumweru cyiza. Bonne semaine.
Nous avons une dernière annonce, s'il vous plaît. Une dernière annonce. Il est demandé aux femmes et aux hommes qui souhaiteraient aider de descendre en bas pour ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Turasaba ababishoboye bose ko twahurira muri sous-sol tugatunganya ibyo twakoresheje. Merci.